entre deux rendez-vous animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis de 19h30 à 20h sur VL. On termine avec ce dernier extrait. Tu vas rester sur la touche si tu bouges trop lentement. C'est la course, on a tous du mal à suivre le changement. Poursuivre le mouvement, c'est du taf à plein temps. Je suis en retard, toujours en retard, je suis en retard, en retard. Tu vas rester sur la touche si tu bouges trop lentement. C'est la course, on a tous du mal à suivre le changement. Poursuivre le mouvement, c'est du taf à plein temps. Je suis en retard tout le temps, comme cette salope de lapin blanc. Alors là, Orelsan, perdu d'avance son premier album. Et là où je suis particulièrement touché par ce morceau, c'est encore là du rap, du hip-hop, mais c'est parce que Orelsan, c'est quelqu'un de vraiment bien, qui a été lynché pour des raisons moi qui sont lointaines pour moi, parce que je trouve qu'un artiste, il fait de la fiction avant tout, il crée des choses et c'est pas forcément lui qui parle dans des chansons. Donc bon, je vais pas revenir sur les polémiques Orelsan, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi en début de carrière avec El Ciel est à vous, on était sur internet, donc on a vu sortir tous ces petits artistes, tous ces futurs grands artistes, du Palmacho à Orelsan en passant par Rémi Gaillard, on a essayé de leur faire leur première télé, premières interviews, en disant comment tu fais pour vivre avec ta vidéo sur Dailymotion, avec ta vidéo sur YouTube, aujourd'hui t'es à 100 000 vues, comment ça se passe? C'était le tout début de tout ça, et donc j'ai grandi avec eux en fait, dans le métier, eux artistes et moi journaliste, et on a eu les premiers liens ensemble, à peu près au même âge, et donc c'est une fierté de voir maintenant ce que sont devenus certains de ces artistes, c'est dingue. Des belles carrières. Ah ouais, incroyable. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.